Bonjour à tous, c'est Nocta. On est sur Doom 2. On est sur Doom 2 pour le deuxième niveau de l'extension The Nowhere for the Living. Donc, allons-y. Alors, au programme, on a au programme 105 ennemis à tuer, 52 objets à récupérer et 12 secrets. Première chose à faire, c'est de réveiller tout le monde. Et de les tuer sournoisement. Il y en a un deuxième. Je sais bien. Voilà. N'hésitez pas à faire sauter les barils. Ça peut être très pratique. Alors, premier secret que vous pouvez trouver ici, hein, dans ce niveau, c'est celui-là. Qui vous permet d'avoir accès à un super shotgun secret. Et là, vous allez me dire, et là, pour aller à la porte, il faut aller à la clé rouge. Mais justement, c'est à ça que ça va servir. Là, par contre, dès que vous tirez, il y a un pen elemental qui arrive. Hey, ça va, ouais, là. Bon. Maintenant, vous voyez ce mur-là, on peut l'ouvrir. Comment? Très simple. Marchez ici, dépêchez-vous de venir là, et vous avez le mur ouvert. Voilà, aussi simple. Aussi simple que ça. Mais il n'y a pas d'autre mur que vous pouvez ouvrir, malheureusement, dans un peu comme ça, dans ce niveau. Avant de prendre la clé rouge, sauvegardez ici et vous pouvez y aller. Ouais, c'est quoi cette manière là? Genre, il se colle sur moi. Non mais penses-tu que c'est en te collant sur moi que tu vas gagner hein? Faut pas me sous-estimer dans ce genre d'affaires. Non mais... On ne sous-estime pas le joueur. Non, pourquoi tu prends une tronçonneuse quand t'as ton poing? Non. Colin. Bon. Allons-y, traversant. Donc on a... Mais c'est celle-là qui nous est accessible, qui est en fait une salle secrète.
une autre salle secrète. What? Je ne comprends pas. Voilà, je vais... on va garder la Soul Sphere pour le moment. Là, là c'est en train de dire, bah là, faut aller dans la porte rouge. Pour pouvoir continuer. Et bah oui, hein. C'est un peu évident. Parce que sinon, on peut pas continuer. Alors, les ennemis abattus vont nous donner évidemment ce qu'il faut. Alors, petite chose, vous pouvez ouvrir ce mur et arriver ici facilement, vraiment très facile. Comme secret en tout cas. On va avoir dans le niveau. Hein. Là, quand vous prenez ça, là, c'est n'importe quoi. Parce que voilà, hein. Faut pas déconner. Hein. Voilà, clé bleue acquise. Et maintenant, on va prendre ceci. Et ça, c'est une zone secrète. Donc maintenant, on va sauvegarder ici. Et donc voilà, là l'idée c'est de wake up tout le monde et de les attendre. Puis après vous tirez dessus. Cherchez pas à comprendre, prenez tout ce qu'il y a, faites pas gaffe à ça. Venez. Alors...
Ici, vous avez un secret. Corley. Mais de où il sort, lui, par contre? Alors, ça, c'est une zone secrète. Vous pouvez ouvrir le mur. Tout va bien. Mais la récompense au bout en vaut le coup. Parce que c'est une méga armure. D'accord, donc ça c'est une zone secrète. Ça je le savais hein, quand même. Par contre quand vous êtes invisible, les projectiles sont tellement aléatoires. Vous voyez ça là? Ça c'est pas drôle. Je vous recommande de ne pas tenter de tuer des ennemis comme ça à l'aveugle. C'est quand vous êtes invisible, c'est très dangereux ça. Vraiment. Donc alors, on va sauvegarder ici et là, on cherche pas à comprendre. On fait wake up tout le monde et on essaie de les faire affronter ensemble. Voilà, juste comme ça. Ah. Ow. Ow. Hey, t'es pas censé pour me toucher depuis entre un poteau, toi. T'es pas censé pour me toucher depuis un poteau, toi. Ça doit être un bug de collision. En tout cas, les bugs de collision sont violents. Quatre ennemis. Trois ennemis. Et là, vous allez me dire, mais yo, le dernier secret. Ben, il est là. Il est là. Juste devant nos yeux. Et voilà. Et voilà, le tout fait avec brio. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'était le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire. J'en remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine mission. Et donc, je vous dis... À la prochaine, tout le monde.